Eh bien, bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on continue une suite de l'aventure de Super Mario Bros 3 sur NES. Et avant ça, on va se goûter une petite bière. Alors, toujours de la même brasserie, siphon de Dame Cassandra, une bière de 7 degrés. Là, j'ai trouvé des petites infos sur internet, que je vais vous lire ça tout de suite. Capturée par un pêcheur local, Cassandra la sirène a maudit Dame. Elle a été bannie dans un étang juste à côté de la brasserie où elle est morte de désespoir. Elle vit aujourd'hui comme la girouette de la ville. L'amertume de Cassandra provient à la fois de ses grains torréfiés, semblables à du café, ainsi qu'à son bec de doubleau européen terreux et d'une touche subtile de minéralité par l'ajout de coquilles d'huîtres à la fin du processus d'ébullition fait ressortir une douceur perçue chocolatée réglisse. Merde! Encore une fois du chocolat, une bière de 7 degrés, donc c'est une stout. Voilà, les stout. On va goûter, hein. J'ai toujours une bière reçue à la Midus pour l'anniversaire, qui s'est fait conseiller, à mon avis, par quelqu'un qui s'y connaît pas, parce que, bah. Quand on dit que j'aime bien les blondes et les triples, faut pas donner une stout, hein. Ah, voilà, c'est une stout, hein. Rien à dire pour ça, hein. Donc, waouh! Il y a un mélange de café et de chocolat en même temps. Ça va être terrible. Santé les gars. J'aime vraiment pas du tout la bière. On se prend vraiment le goût de café. Oh. Excusez-moi, j'ai vraiment un goût de café derrière et de chocolat. Enfin bref. J'ai goûté. On va continuer les aventures de notre petit Mario. Nous sommes au troisième monde. On va essayer de pas trop mourir cette fois-ci. Ce serait pas mal. Donc voilà. Un petit niveau aquatique. Pour bien se mettre dans le bain, hein. Vous avez compris? Niveau aquatique pour se mettre dans le bain. Oui, je sais, je suis un peu d'humour, de temps en temps, ça m'arrive. Ah, par contre, la bière, je suis vraiment désolé, mon pote Dus, mais là... Ah, le gars, il t'a eu, je pense. Oh. À mon avis, c'est les fonds de bière qui savent plus revendre et qui te les a refilés. Bah bon, moi j'aurais goûté les bières, hein. Faut s'ouvrir à plein d'eau, à différents horizons, hein, comme je dis toujours. Ah, faut pas rester sur des a priori. Continuer à goûter. Peut-être qu'un jour, je vais... Ah purée, bien aimé une stout, hein. Mais là, celle-là, franchement... Voilà, je parle, mais on arrive tout doucement à la fin du premier niveau. Deuxième niveau. Ah ouais, je pense que là, c'est le gros poisson qui peut nous manger. C'est pas encore celui-là, enfin, je sais plus. Ah! Pourquoi je fais des choses ainsi? Alors, commence-moi à crisper. Je m'auto-énerve. Voilà, on va refaire les choses plus tranquillement. Voilà. Bon, j'ai essayé d'échapper l'étoile, c'est pas grave. Je voulais pas trop galérer. De toute façon, j'ai les boules de feu. Putain. Ils m'emmerdent ces poissons. Voilà. Oh, ça, c'était inévitable. Quand je l'ai vu au loin, je me suis dit, ouais, je vais me le prendre dans la gueule. Bon, on n'aura pas les 5 vies. Let's go pour le troisième niveau. Ah, c'est ici qu'il peut nous bouffer, l'autre enfoiré. Avec le petit poisson qui saute, là. Il va faire attention. Un champipi. Merde, je l'aurai pas, tant pis. Tant pis, c'est pas grave. On va rester concentré. Oh, purée, cette plateforme-là. Faut essayer de pas se faire bouffer. Voilà. Vraiment. On va attendre 2 secondes. Voilà. Hop. Ouh, le petit lag. Ah non, il m'a bouffé l'enfoiré. Ouh, ça c'était bien joué. C'était bien joué, je suis content de moi.
va nous lâcher la grappe, je veux dire. Un petit peu, mais il revient vite, hein. Hop. Oh non, 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 non. Pourquoi suis-je si nul? Oh putain! Fais chier, hein. On va essayer de pas se faire bouffer parce que je suis presque sûr qu'on est presque à la fin. Voilà. On va essayer de faire ça les choses bien. Voilà, je récupère une vie au passage, ça fait plaisir. Et on aura une deuxième vie. Oh merde! Voilà. On va enfin passer sans peine quand même. Si, avec beaucoup de peine. Allez, on va passer au petit château des familles. Ah ouais, celui-là, je sais plus trop comment il va. Ah, c'est un genre de labyrinthe, il me semble. Je sais plus quelle partie il faut prendre. Ah, je m'en souviens plus. J'allais jusque dans le fond. Voir qu'est-ce qui se passe. Ouais. Bon bah. Étant donné que ma mémoire fait défaut, on va prendre une au hasard, voilà. J'espère que vous avez le temps parce que je pense que je vais faire toutes les portes, ça continue. J'ai mon champignon, voilà. Bon ça, ça c'est bon ça. Allez, on est reparti. On va prendre maintenant. Pas la troisième, j'ai pas envie. Ah, je sais plus quelle partie il faut prendre. La cinquième, allez. Ah, une petite vie. Ah, oh le con. Oh le con, je voulais aller trop vite et. Cette porte-là, ça m'étonnerait que ce soit la dernière. Ça me paraît trop évident. On va prendre celle-là. Ah, c'est pas celle-là. Ah. On a trouvé la bonne porte. C'est déjà ça. Voilà, directement au boss. C'est ça, en fait, qui prend plus de temps sur ce château-là, c'est trouver la bonne porte. Surtout, quand il y a une mémoire de poisson rouge comme la mienne. Voilà, ces boss-là font toujours les mêmes patterns, suffit de passer ça à voir, bêtement. Voilà, le quatrième niveau. On va... Hop! Ouais, juste. Ah bah ça, bien sûr. Allez, putain! Voilà, enfin. Merde, 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 merde. Hop. Oh, putain! Bon, bah... Je m'énerve moi-même, en fait. Je m'énerve moi-même, je fais des bêtises pas possibles. Hop, allez, alors si du premier coup, c'était pas si compliqué que ça, pour en finir. Allez. Il suffit d'être un peu doué. Tout simplement. Allez, on était mort ici tout à l'heure. On va essayer de pas mourir. Voilà. On court, on court, on court, on court, on court. Et voilà. Ah, c'était pas si compliqué, fallait pas s'énerver. Allez, let's go pour le cinquième niveau. Un niveau aquatique. Ah, il est pas évident celui-là. Hop.
vraiment pas évident, faut éviter plein de choses. Tout le monde t'en veut à ta vie. Alors que toi, t'as rien fait, hein. T'es Mario, t'es simplement là pour essayer de récupérer la princesse que t'as jamais su pécho, hein. Ah, pff, ça c'est con, hein. C'est déjà fini? Ah, c'est déjà fini, bah voilà. Un petit niveau aquatique sympathique. Sixième niveau, un niveau automatique sympathique. Oh purée. Ça c'est salaud quand même. Garder pour ici. C'est pas du bien joué ça, Greg. Pas du bien joué. Mais bon, tant pis, on avance. Notre petite aventure. Hop, allez, on va pas faire les foufous. On va jouer la sécurité, on va rester en haut. Voilà, c'est salaud quand même faire ça, avoir fait ça. Hop. Et voilà. Pas trop compliqué non plus ce niveau-là. Alors les amis, on n'a pas fini le troisième monde. On va faire pour la prochaine vidéo, pour pas qu'elle soit trop longue. Hein. On va essayer de faire des vidéos pas trop longues. Moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo forcément. Et... salut, tchuss! Bisous, câlin, au revoir et merci!